de date un petit peu ronflante et surtout, elle cartonne. Les milliers de vues s'accumulent, tout comme ses projets. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Benjamin Brio, alias Nota Bene. Bonjour à tous, merci de vous être déplacés pour venir discuter, c'est chouette. Bonjour Benjamin, Bonjour merci d'être venu. <laughs> et bien commençons, euh, la première fois qu'on s'était rencontré, ben c'était déjà en 2015 et eh oui. Euh, à l'époque, tu me disais "je me permets de te tutoyer". À l'époque, tu me disais qu'en fait la meilleure façon d'intéresser les gens à l'histoire, c'était éviter de les écraser sous des dates, mais c'était plutôt voilà, les intéresser en racontant des histoires. Est-ce que tu es toujours dans cet état d'esprit oui, euh, mais il est clair que ma réflexion elle a quand même vachement évolué euh, depuis 2015. C'est-à-dire que, effectivement, je suis toujours euh, partisan d'éviter d'apprendre de, des poésies un petit peu chiantes, hein, comme je le dis souvent. Euh, les poésies que j'avais l'impression, en tout cas, d'apprendre quand j'étais euh, euh, au collège euh, à l'époque. Et, euh, et surtout, de pouvoir intéresser le public avec euh, une accroche un petit peu particulière. Mmh. Euh, donc, le, le but, c'est vraiment d'alterner les épisodes qui sont très vendeurs, hein, les, les morts insolites. Euh, J'en ai, ai fait pas mal. Là, je prépare un truc sur quatre trucs bizarres à faire avec des cadavres. Euh, voilà. <laughs> euh, donc, c'est toujours des, des titres qui, euh, qui, qui accrochent un petit peu et, et les gens vont se dire bah, tiens de quoi il va nous parler. Euh, et puis, des épisodes un peu plus euh, sérieux. Là, par exemple, la semaine prochaine, je vais euh, ressortir un, un gros épisode sur euh, l'assassinat d'Henri de, 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 IV par Ravaillac. D'accord. Euh, avec les différentes théories du complot. Et puis, surtout, l'analyse iconographique, euh, et la production iconographique euh, après. Euh, l'attentat, euh, autour de, de l'attentat d'Henri IV. Euh, et donc j'alterne vraiment les épisodes avec beaucoup d'humour finalement, euh, où j'ai un langage euh, très familier, euh, mmh. je parle comme un pote, et puis les épisodes plus sérieux, où on peut même aller dans le, dans le reportage, euh, dans le documentaire. Oh là, euh, il y a quelques mois j'ai sorti des, euh, des documentaires sur euh, la première guerre mondiale où on est sur un ton qui est relativement sérieux, il y a des images d'archives euh, il y a beaucoup de choses quoi, voilà. donc euh, la présentation reste quand même hyper importante euh, et, et il est clair que euh, on... on au mieux, on reste dans un... Enfin, au mieux. Ouais. Ce qui peut se rapprocher le plus, par exemple, de formats euh, télé, ouais. euh, c'est des formats qui sont un peu bâtards, c'est-à-dire qu'on a des constructions qui se font un peu comme à la télé, sauf que parfois on, on bouge un petit peu les, les codes, notamment du langage, et euh, surtout on, on bourrine en termes de rythme. C'est-à-dire mm -hmm. que les, les épisodes même euh, très posés de Nota Bene en, en, en mode documentaire, avec de la musique, euh, des images, la mise en scène, etc., c'est des épisodes qui font 20 minutes sur Internet. Si on devait les mettre sur, à la télé, ça ferait une heure, une heure et demie. Quoi, voilà. Tout à fait, ouais. Et alors Nota Bene est né en 2014 C'est bien oui, ça Oui tout, ouais. tout à fait oui. Et voilà <coughs> comment tu t'es dit bah, Enfin question très bête Mais pourquoi tu t'es dit ça Pourquoi tu t'es dit Je vais me lancer euh, oui. sur Youtube Avec des vidéos sur l'histoire euh, parce que je m'intéressais déjà un peu à l'histoire j'y suis venu assez tardivement hein, c'est-à-dire que moi jusqu'au lycée euh, globalement je m'y intéressais pas trop d'ailleurs j'ai fait un, un bac euh, technique et électronique euh, où je me panoussais plutôt là-dedans et puis après euh, le, le lycée je me suis dit tiens j'ai quand même envie de m'ouvrir un petit peu mmh. l'histoire était euh, une discipline qui m'intéressait un petit peu donc je suis allé en fac d'histoire <laughs> j'ai adoré ça hein, mais ça a duré que six mois euh, puisque mon autre grande passion c'était l'audiovisuel euh, depuis que je suis gamin euh, moi chez moi j'avais une, une vidéothèque avec euh, 800 cassette euh, enfin voilà je j'étais vraiment euh, bercé là dedans et j'ai rencontré un réalisateur qui m'a fait rentrer dans le milieu euh, et qui m'a permis de toucher des caméras pour la première fois et, et donc je me suis dit bon j'abandonne tout je file euh, mmh. faire des études audiovisuelles et euh, du coup j'ai directement commencé ma carrière dans l'audiovisuel euh, donc c'était en 2008 et euh, donc, je suis resté dans une boîte audiovisuelle où j'étais monteur, cadreur jusqu'en 2014. En 2014, la boîte a, a fermé. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert YouTube, les vidéos ouais. de vulgarisation. Euh, et euh, et que du coup, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'émission d'histoire. Et, et là, je me suis dit, bon, euh, j'ai un petit incroyable. peu de temps devant moi. Si pour la première fois, euh, je faisais mes propres vidéos euh, avec mon propre contenu c'est peut-être la bonne occasion de me remettre à l'histoire et, euh, et donc je me suis replongé dans cette histoire que j'avais abandonnée à la fac euh, pour faire ma propre émission euh, et, et ça pour plusieurs raisons hein. j'avais envie de garder la forme d'un point de vue audiovisuel j'avais envie de faire un, un, mon propre projet qui me, qui me plaise et puis surtout j'avais euh, voilà, en, envie de me remettre dans cette histoire et d'apprendre des trucs et de pouvoir restituer ce si savoir que j'étais en train d'accumuler de, 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 d'accord et alors justement, les sujets de tes vidéos, comment tu les choisis Est-ce que c'est des choix personnels Est-ce que c'est des demandes du public c'est hyper variable. Euh, -à -dire il, y a du, il y a des choix personnels. Là, par exemple, Henri IV, c'était un, un, choix, un choix personnel qui a ouais. été orienté par euh, quelques lectures que j'ai eues à, il y a quelques semaines. Euh, donc, les, mes lectures hein, ou les choses que j'écoute, les podcasts que j'écoute ou euh, les, les documentaires que je regarde euh, peuvent avoir quand même une certaine influence. Hein. Ouais. Et puis, il y a euh, aussi toutes euh, les suggestions qu'on peut me faire. Hein, J'en reçois tout le temps euh, sur tous les réseaux sociaux. Euh, tu les et écoutez, euh, tu peux. Voilà, je peux euh, les écouter. Ouais. Alors, euh, on va pas se le cacher. Il y, a, il y a parfois des idées un peu, un peu bancales, euh, <laughs> voilà. Mais euh, c'est quand même assez intéressant. Ouais. Et, et parfois, je me dis tiens, ouais, ça c'est vrai que c'est pas con. Peut-être que je peux le rajouter à ma liste. Donc j'ai une très grande liste de sujets à la maison euh, où je peux aller puiser dedans un petit tu peu. Pioches, euh, euh, voilà, je pioche dedans. Et puis euh, aujourd'hui, il y a quand même, euh, on va dire un tiers des épisodes euh, presque qui euh, qui sont des épisodes dits de commande. Mm. Euh, donc c'est euh, des euh, départements, des musées qui viennent me voir et euh, qui me disent bah voilà nous euh, on a du mal à, à communiquer euh, et on sait que toi tu arrives donc euh, bah, ça serait bien qu'on fasse un truc ensemble et donc là ça peut être je travaille avec euh, le musée du Louvre, des Beaux-Arts de Valenciennes, le British Museum ça peut être des départements comme euh, la Somme, ça peut être euh, l'Aisne, euh, le Loir-et-Cher, l'Eure euh, cette année euh, et, et, et donc le, le but du jeu c'est que eux ont un objectif par exemple valoriser le patrimoine du département euh, pour pour attirer des, des touristes hein, tout simplement et à moi ensuite de euh, créer un contenu autour de ça pour donner aussi un petit peu un petit peu envie donc par exemple Laine et euh, et la Somme ça va être des vidéos que je vais pouvoir orienter autour de la thématique Première Guerre mondiale euh, mais qui vont nous permettre de faire un peu de saut de mouton entre différents lieux donc, il n'y a, a jamais de, euh, de visite, euh, on va dire, euh, c'est jamais gratuit, quoi. Dans, dans l'épisode, quand je vais sur un lieu, c'est pour raconter mmh. quelque chose. Donc, il y a une vraie plus-value qui est apportée par le discours euh, euh, porté dans, dans la vidéo. Et l'objectif, c'est aussi de découvrir un petit peu euh, le lieu et potentiellement de donner envie aux gens d'y aller. D'accord. Et on parlait, voilà, des, des idées de, bah, de tes, des internautes. C'est qui le public, justement, de Nota Bene Est-ce qu'il y a une tranche d'âge Est-ce que tu as une idée un petit peu de, de, de ça oui, euh, là, euh, clairement, on n'est pas sur de l'ado. Hein. Ouais. Euh, souvent, on dit, ouais, YouTube, c'est les ados et tout. Bah, moi, c'est très, très faux, puisque les ados, c'est 3% seulement de, euh, des gens qui me regardent. Euh, et 80% des gens qui me regardent, c'est du 18-35 euh, ans. D'accord. Euh, et, et, euh, et ensuite viennent les 35-45 et les 45-55 qui se développent de plus en plus. Ah oui. Euh, ouais, ouais, euh, okay. ça euh, et, et à 80%, on est sur une, un, un public euh, français. Puis viennent les, les Belges et les Suisses. Il y a aussi beaucoup de Canadiens qui regardent, euh, des personnes du, du, dans la région du Maghreb. Okay. Euh, et, et puis les, les premiers non francophones, c'est les Anglais. Ah oui. Voilà. Où là, ça représente euh, peut-être 0,8%, 0,9% de, de la base. Ouais. Ok. Et donc, parlant en vidéo, euh, <laughs> certaines, euh, certaines vidéos cassent vraiment la baraque. Je pense notamment à une qui est consacrée au sexe dans le Moyen-Âge. Eh oui, non mais. Alors, euh, qui, comme de par hasard, affiche 2,5 millions de vues. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres voilà, que tu as aimé faire, tourner sur lesquelles tu as vraiment apprécié travailler alors attention, parce que le, le, le nombre de vues est pas proportionnel au plaisir qu'on prend quand on, on, on écrit la vidéo. C'est d'ailleurs souvent inverse. -à -dire que Donc le sexe au Moyen-Âge, non. Voilà, quand on se déchire sur une vidéo et qu'on qu y met toute notre âme et qu'on est hyper content du résultat, en général, ça fait deux fois moins de vues que ce qu'on prévoit de faire. <laughs> et, euh, et le sexe au Moyen-Âge était super cool parce que c'était une collaboration avec Laurent Turcot, qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est un universitaire, euh, un historien euh, euh, à Montréal. Et, euh, et, et du coup, on, on a déjà fait plusieurs épisodes ensemble, il y avait euh, Sexe au Moyen-Âge qui a eu un, un succès, bon on s'attendait à ce que ça fonctionne un petit peu quand même, hein. il y avait Sexe Moyen-Âge, bon, voilà <laughs> la prise de risque était quand même minime, mais euh, on ne s'attendait pas à euh, 2,5 millions de vues quoi. Euh, dernièrement on a pu faire le Sexe chez les comédiens du 18 siècle en France qui nous permettait un peu d'aborder aussi la condition des comédiens à cette époque là, puisque c'était une condition qui était relativement euh, difficile hein, même pour euh, Molière vis-à-vis hein, euh, -vis de l'église c'était compliqué euh, on a pu faire des épisodes qui ont rien à voir avec le sexe, comme euh, les, les les JO de Berlin, euh, voilà, c'était très intéressante et ça, marche. Intéressant. Et ça, ça <laughs> fonctionne. Donc, euh, donc voilà, dernièrement, euh, celle qui a très bien marché aussi et qui était très rigolote à faire parce que forcément on manipule une, une image un peu un peu euh, euh, évocatrice et rigolote, c'était le ver solitaire. <laughs> euh, J'avais fait une, une vidéo comment choper le ver solitaire. Euh, et en fait, on revenait sur l'histoire du ver solitaire et des parasites de <laughs> l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ce qui nous permettait finalement de faire une, une histoire de, de, des sciences, une histoire de la médecine, euh, et de revenir sur les progrès qu'on a pu faire en médecine depuis l'Antiquité, euh, et, et, et les progrès sur les traitements, sur les diagnostics. Euh, voilà, C'était assez intéressant. D'accord. Et est-ce que tu as justement un petit peu des, des retours de conférenciers, d'historiens, de profs d'histoire Enfin voilà, tout ce qui gravite autour du milieu <laughs> Oui, euh, oui, oui, j'en ai, euh, j'en ai beaucoup, j'en ai de plus en plus. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Euh, ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai de, de, la chance de ce côté-là. J'ai jamais eu de vraiment de fight. Euh, ouais. euh, ou alors, euh, ou alors, c'est des gens qui se disaient oui, oui, moi je prof d'historien. Euh, c'est vraiment nul ce que tu fais. Mais c'était des commentaires YouTube, j'ai jamais vu quoi. vus. Euh, bon, après, euh, quand je me déplace. Bon, Je suis tous les, tous les ans au rendez-vous de l'histoire de Blois. Il ouais. euh, y a beaucoup d'universitaires. Il n'y en a jamais un qui m'a agressé avec un couteau comme Ravaillac <laughs> C'est Henri IV pour rebondir sur ma prochaine vidéo. Vous l'avez compris. Euh, mais euh, ça se passe bien. J'ai pu aller début 2018 euh, au festival Histoire et Cité de Genève aussi, qui est ouais. plutôt un, un festival traditionnellement euh, bah, très universitaire. Euh, et puis, bon, bah là, ils ont été sympas. Ils m'ont invité pour venir parler un petit peu de tout ça. Et, euh, et on voit bien que. <coughs> S'il y avait des réticences au départ du milieu universitaire, ce qui est... Compréhensible, oui, parce que bah, sur Internet, c'est y à boire et à manger. On ne savait pas qui j'étais. Voilà. Il a fallu construire cette légitimité quand même à travers mon discours et puis mon travail. Euh, et bah, les, on, on voit que de plus en plus, les universitaires le, sont, euh, sont en demande euh, et ils sont contents que euh, ça puisse euh, servir de, de canal de diffusion du, du savoir. Alors, il y aura toujours des irréductibles hein, qui euh, on se dire bon, non, l'histoire, il faut que ça soit chasse-gardée, puis euh, ouais. on ne peut pas en parler euh, n'importe comment. Mais euh, je pense que c'est une, une minorité et que ça sera de, de moins en moins vrai en fait et puis les, les profs d'histoire sont de plus en plus jeunes donc ils vivent avec ouais. euh, leur temps avec les réseaux ils ont bien compris l'intérêt aussi de la vulgarisation et de la médiation euh, culturelle en, en général donc euh, donc voilà ça se passe ça se passe vraiment bien et puis de façon globale euh, comme je le dis souvent depuis le, 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 presque le début de la chaîne euh, j'essaye de nouer des contacts avec eux et de créer des programmes avec eux euh, ce qui fait que de plus en plus des historiens participent directement euh, aux émissions. Euh, on a euh, le prof d'histoire euh, euh, contemporaine Philippe Nivet euh, sur les reportages Première Guerre mondiale qui a accepté de relire tous les scripts gentiment et de participer à la vidéo en donnant une interview ce qui ajoute un petit peu de, de plus-value je travaille avec Laurent Turcot, là je suis en train de faire un, 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 un épisode sur Game of Thrones avec un professeur d'histoire euh, au, au lycée Descartes qui est juste euh, à côté euh, voilà. donc euh, je trouve ça assez intéressant parce que finalement on se nourrit de nos compétences diverses, moi j'ai je, je, je travaille sur l'histoire l'histoire c'est mon métier ouais. mais je suis pas historien euh, et euh, moi je, je sais communiquer, je sais faire des films euh, et l'histoire c'est le, le sujet qui m'intéresse, c'est Autour de ça que je développe les compétences. Maintenant, le savoir euh, historique, euh, euh, même si j'en ai, mm. euh, c'est un métier aussi. Puis la production scientifique euh, aussi, c'est un métier. Et euh, s'associer à ces gens-là, c'est toujours un, une manière d'avoir quand même une, une plus-value qui est chouette euh, dans les épisodes. Quoi. Et justement, avec les vidéos, le but affiché, c'est donner envie, donner goût à l'histoire, c'est donner aux gens envie d'aller plus mmh, loin. Bon. Oui, euh, et euh, le alors l'objectif il, il est multiple, hein, c'est-à-dire que comme je disais, j'ai des publics, euh, j'ai pas un public, euh, ça serait un peu trop réducteur. Et, euh, et le fait est que euh, aujourd'hui j'ai euh, 830 000 abonnés, mais je ne fais pas 830 000 mille vues sur chacun de mes contenus, mmh. euh, clairement, parce que aussi euh, mes formats ne s'adressent pas à tout le public. Dans mon public, euh, j'ai des gens qui vont aimer les épisodes longs et qui sont un peu tatillons. C'est-à-dire que si on, on fait moins de 15-20 minutes, on dira ah, Putain, Ben, euh, ouais. t'as rien foutu. Enfin, euh, voilà, ouais, tu t'es un peu reposé sur tes lauriers. Non, les gars. <laughs> C'est pas parce qu'un épisode fait 5 minutes que ça demande moins de travail. Euh, mais il euh, y a un public qui est exigeant d'une part et peut-être un peu connaisseur quand même. Il hein. euh, y a aussi beaucoup d'étudiants en histoire qui, qui suivent la, la chose et qui aiment bien d'ailleurs rajouter des trucs ou préciser des trucs dans les commentaires, ce qui est plutôt cool. Et puis il y a une partie du public qui va être totalement néophyte, euh, qui euh, va euh, préférer des épisodes de 5-10 minutes. Ça ne veut pas dire que les, les publics s'excluent au niveau des formats, hein, mais euh, globalement, des formats de 5-10 minutes, certains vont y voir des formats trop légers, d'autres un très bon format pour justement s'insérer dans cette discipline qu'est l'histoire, euh, une discipline qu'ils ont lâchée il y a quand même pas mal de temps. Et, et, et c'est ça, c'est-à-dire que... Je reçois beaucoup de messages privés, notamment sur Facebook, euh, Twitter, tout ça. Et <coughs> j'ai des profils totalement différents qui me contactent. J'ai des étudiants en histoire, j'ai des professeurs d'université qui me disent ah, bah, ah oui. c'est cool, machin. J'ai euh, aussi des types qui me disent bah, je travaille à l'usine, euh, j'ai arrêté l'école, euh, j'avais 15 ans. Et euh, du coup, ça me fait du bien de pouvoir trouver une mission accessible pour me changer un peu euh, l'esprit et puis regarder euh, autre chose que euh, Cyril Hanouna, quoi. Euh, <laughs> clairement. Et, et, euh, et, et ça, je, je trouve ça plutôt bien de pouvoir s'adresser ouais. à tous ces types de publics-là, euh, et donc d'ouvrir un petit peu les formats, et d'ouvrir de, de, aussi les, les tons. C'est-à-dire qu'il faut adapter aussi le, le ton hein, à chaque fois. Si on emploie trop faire. de mots techniques, ça devient vite chiant pour la, la plupart des gens. Euh, si euh, on, on, on parle avec un langage trop familier, euh, comme ça m'arrive assez, assez souvent, bah, ça peut exclure les, les, les petits. Donc euh, pour regarder en famille, c'est un peu moins bien. C'est ouais. pour ça que j'avais un format pendant un moment donné qui était adapté aussi aux enfants. Euh, voilà. Il faut savoir adapter son discours en fonction des publics qu'on a. Et il n'y a pas une bonne manière de faire. Il y a des manières de faire. Quoi. Ce qui explique aussi qu'en France, aujourd'hui, il y a plus d'une cinquantaine de chaînes d'histoire sur YouTube qui ont plus de ouais. 1000 abonnés avec autant de façons de raconter l'histoire et, et de façon euh, vraiment bien. Voilà. Tu, tu parlais du ton que tu utilises, voilà, un petit peu plus décontracté. Euh, euh, Est-ce qu'il voilà, y a non. déjà des, des, des gens, des internautes qui t'ont fait ce reproche-là justement de te dire que c'était peut-être un poil trop familier un... Oui, c'est les poètes poètes ouais <laughs> oui, oui, ça, ça c'est les poètes poètes euh, je veux dire le problème étant que mais en, encore une fois le, le fait est que se dire euh, une émission de science de culture euh, voilà il faut pas euh, il faut pas euh, euh, qu'on rigole ou il faut pas qu'on fasse une blague euh, Enfin, c'est absurde, oui. euh, parce qu'il ne faut pas que ça puisse s'exclure. Et que c'est justement se mettant dans, dans une position de recul comme ça, euh, avec un, un ton un peu professoral et, mmh. euh, et sérieux et cadré, qu'on va faire fuir les gens. Mmh. Euh, parce que tout de suite, de base, hein, l'histoire, c'est quand même une discipline où euh, la plupart des, des gens peuvent se dire bon c'est intéressant mais euh, c'est pas pour moi quoi tu vois il faut il euh, faut déjà aimer lire faut aimer les trucs faut avoir une certaine culture non il y a beaucoup de gens qui mettent une, une distance d'office avec l'histoire parce qu'ils se disent oh là j'ai peut-être pas le niveau ouais. pour aller voir le truc et mmh. ce qui est vachement dommage et moi-même euh, c'est-à-dire que quand j'ai commencé l'émission et ça m'arrive encore d'ailleurs je suis tombé sur des ouvrages euh, hyper intéressants hein. mmh. mais alors la façon dont c'était écrit euh, moi-même euh, en, en je lisais le truc et je me suis je me disais, mais je suis, je suis je suis je suis con quoi je je, je comprends <laughs> pas je je ne comprends pas ce qu'ils qu essayent de me dire. Et, et je me suis dit, si moi, qui suis déjà dans, la, dans cette réflexion-là, de, de me dire, j'ai envie d'apprendre un truc, je vais y aller, je vais acheter le bouquin, je vais l'ouvrir, je lis, et là, je me dis, c'est pas pour moi, euh, qu'est-ce qui va en être mmh. d'une personne qui, de base, ne s'intéresse pas trop à l'histoire euh, Il n'y a juste pas moyen, quoi. Ouais. Donc, il faut, faut pouvoir aller euh, tirer un petit peu ces, ces gens-là. Et ça ne veut pas dire que, que, que tout doit être sur, sur, mon, sur mon ton. Il euh, y, y a des gens qui font de, des vidéos YouTube qui ont des tons euh, et, et une façon d'aborder les choses où ils vont beaucoup plus en, en profondeur. Euh, ils se permettent d'utiliser des mots euh, complexes, ouais. euh, ou des définitions, des concepts un peu, un peu plus complexes à manipuler. Euh, et puis il y a des gens qui vont faire des trucs où c'est beaucoup plus général et, euh, et c'est voilà, encore plus accessible que ce que je fais. Euh, il en faut pour tous les publics. Moi, c'est voilà, je suis positionné un petit peu entre les deux, je pense. Et euh, je pense que c'est ça aussi qui fait que l'émission fonctionne, c'est-à-dire que je, j'ai de pas exclure euh, sur sur la forme, mais sur le fond, mmh. ça reste quand même euh, assez dense hein, la ouais. plupart du temps, puisque la moyenne de mes épisodes c'est 15 minutes quand même. Donc euh, okay. Il faut s'accrocher ouais. avec le rythme quoi. Ok. Alors là, je vais, à euh, noter qu'après il y aura une séance de questions-réponses avec le public. Mais je me permets déjà de crever l'abcès tout de suite. Voilà. Les thunes. Voilà. <laughs> Donc les thunes, est-ce que, bon, voilà, nota bene, c'est ta vie, c'est ton salaire. Oui. Euh, est-ce que c'est une question voilà, qui te dérange, qui t'agace un petit peu tout ce qui est côté euh, euh, monétisation de, euh, sur YouTube ah mais je suis riche, aujourd'hui c'est voilà, riche comme Crésus. Je me suis acheté trois baraques, j'arrose tous mes copains toutes les soirées, bien sûr, bien évidemment. Donc tu nous arroses après, bien sûr. Ouais. Mais, mais bien sûr, tout le monde, j'invite tout le monde, c'est super. <laughs> euh... Retenez bien, retenez bien. <laughs> non. Alors, les sous, c'est souvent une, une question très très récurrente, euh, dès qu'on parle, euh, pas d'histoire, mais de YouTube, hein euh, et il y a beaucoup de fantasmes euh, autour de, de ça. Il y a surtout que, il bon, y a encore quelques jours, il y a des articles qui ont été publiés sur la fortune de euh, Cyprien, Squeezie, etc. Oui, tout à fait. Euh, bon, et, et très bien. Il y a une partie effectivement du YouTube français euh, dans les euh, plus grosses chaînes qui gagnent très 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 bien leur vie, et euh, tant mieux pour eux. Euh, YouTube, c'est quand même à la base une activité très précaire, hein, et la plupart des copains que j'ai, euh, bon. Euh, disons qu heureusement que le RSA existe voilà euh, parce que YouTube ça rapporte pas grand chose et euh, aujourd'hui honnêtement euh, y a des chaînes de vulgarisation qui fonctionnent au point d'en faire leur activité à temps plein euh, et d'être rémunéré un minimum c'est-à-dire d'avoir au moins un SMIC il y en a pas beaucoup ouais. euh, mais vraiment ça se compte sur les doigts d'une main euh, et, et en histoire aujourd'hui je dirais qu'on doit être deux professionnels trois professionnels sur le domaine de l'histoire sur euh, euh, YouTube à pouvoir en vivre moi c'est un peu une exception puisque Dès le début, euh, ce que je me suis dit, c'est que je n'avais pas envie de placer tous mes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant euh, 6-7 ans dans une PME. Donc, je sais un petit peu euh, comment il faut faire euh, pour diversifier ses sources de revenus et éviter de se planter. Et le truc, c'est que l'aventure Nota Bene, c'est euh, bah voilà, mon aventure et je suis très content de la faire. Mais c'est aussi une aventure euh, entrepreneuriale dans le sens où il a fallu, euh, au début, créer une structure. C'est-à-dire que. Quand j'ai lancé Nota Béné, pour moi, euh, bon, j'espérais que ça fonctionne, mais euh, c'était, euh, voilà, j'étais un peu naïf, quoi. Ouais. Euh, et finalement, j'ai été le premier surpris par le fait que ça fonctionne. J'ai pu créer mon auto-entreprise. Après ça, euh, je me... au bout d'un moment, ça ne suffisait plus. Euh, et puis surtout, j'avais une telle masse de travail qu'il a fallu que je commence à faire appel à des gens pour commencer à m'aider. Donc, l'activité a été portée sur une société. Et aujourd'hui, c'est près d'une dizaine de personnes qui gravitent autour de l'émission euh, tout au long de l'année. Et euh, quand je dis une dizaine de personnes, c'est pas des gens à temps plein, euh, mais ça va être un cadreur et un ingénieur de son qui viennent avec moi quand on est sur des, des reportages. Ça peut être un monteur. En ce moment, en gros, moi, je, on va dire que je monte encore euh, allez, 20% des épisodes. Je me garde quand même des petits trucs pour garder la forme et puis parce que j'aime bien quand même mettre les mains dans, dans le cambouis. Mais la plupart des épisodes aujourd'hui, le montage, il est déporté sur, sur un technicien. Moi, j'écris beaucoup mm. et je réalise, je dirige les trucs parce que derrière le, le travail euh, simplement d'écriture, de, euh, de présentation, etc., il y a aussi plein d'autres trucs. Euh, C'est-à-dire qu'il y a tout le travail de recherche sur le, les articles, sur l'iconographie. Euh, il y a tout le travail aussi de relation avec les différentes institutions avec lesquelles je monte des projets. Et ça, c'est des projets qui prennent entre trois euh, mois pour ceux qui vont vraiment très très vite et, euh, et un an parfois. Ouais euh, bon, les, oh oui. les épisodes de euh, Première Guerre mondiale, c'est un an de boulot suivi. Mmh. Euh, pas à temps complet mais euh, du coup ça il faut suivre cette relation là euh, mmh. et je passe beaucoup de temps aussi sur sur mes mails au téléphone euh, à gérer les différents trucs les festivals tout ça bref euh, j'ai voulu vraiment euh, il y, y a quand même du monde qui travaille autour ouais, de t as t as une ta équipe quand même autour de toi qui... ma femme travaille pas mal ouais. sur sur l'émission aussi de plus en plus euh, là je viens de, de poster une offre d'emploi euh, qui se finit euh, lundi euh, <laughs> ouais, je recherche un, un assistant euh, à mi-temps. Euh, Peut-être des peut qui... d'ici un an ça sera à temps plein, je ne sais pas, j'en sais rien, on verra comment ça évolue. Euh, mais voilà, il y, y a du monde et, et pour ça, donc, les, il faut des thunes. Et les thunes, ça vient de YouTube. Mais alors, YouTube, ça en gros, ça rentre pas trop dans la boîte, c'est plutôt pour moi. C'est pas grand chose en général, enfin, c'est pas grand chose. Attention, hein, oui. euh, toute proportion gardée, j'ai encore de la chance. C'est-à-dire que moi, je fais entre 1 et 2 millions de vues par mois. Euh, 1, 000, 1 million de vues, c'est euh, grosso modo 1000 dollars. Si on lit ça sur l'année. Euh, voilà, c'est à peu près ça. Donc, c'est pas beaucoup, vous voyez, pour l'audience que c'est. Euh, ça suffit pas à faire vivre une équipe. Donc, il y a ça. Il y a le financement participatif, ouais. où là, je suis sur plusieurs plateformes. Euh, donc, c'est des plateformes comme Tipeee ou Utip, qui, euh, où les gens peuvent me filer des thunes euh, tous les mois ou juste un one-shot. Tiens, j'aime bien ton émission, 50 euros pour que tu continues. Donc, ça, c'est plutôt cool. Dernièrement, là, j'ai activé sur, sur YouTube. Maintenant, directement, les gens peuvent souscrire et euh, ils peuvent donner 5 euros, pareil, et euh, euh, là je touche une partie, parce que forcément Google se sert au passage. Bien sûr. Euh, et puis au-delà de, de ça, il va y avoir euh, effectivement tous les épisodes de commandes, ouais. qui aujourd'hui assurent vraiment le, le fond de roulement, qui moi me permet de payer tous les techniciens, et, euh, et ça c'est vachement important aussi. Euh, et puis à côté de ça, il va y avoir tous les... les... Les les, 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 à côté, c'est-à-dire que bon, là, je, je, fais une petite chronique dans Historia tous les mois, bon bah c'est mes petits 100 balles de, de chronique ouais. que, <laughs> voilà où je gratte euh, comme un pigiste, normal. <laughs> euh, et puis il euh, y a mon bouquin qui est sorti en 2016, euh, et puis bon, on en parlera après ma BD qui sort en 2018. Enfin voilà les projets, les side projects, euh, ma série Arte que j'ai sorti en 2018 aussi sur l'histoire et les jeux vidéo. Ça a été deux ans de boulot, bon voilà c'était mal payé mais c'était payé. Euh, je l'ai fait parce que c'était super cool à faire et, euh, et voilà. C'est bah, nickel parce que là tu me fais ma transition, Mais puisque oui. ma future question c'était voilà, tout ce qui est projet qui se sont multipliés. Il y avait eu le livre en 2016, enfin oui. ton livre en 2016. Ah Il ouais. euh, y a aussi l'événement, les historiques de Montbazon euh, qui a à chaque fois ramené du monde. Il y a les collaborations, etc. Et là, euh, début avril, une BD, une BD, une bande dessinée Nota Bene. Oui, oui. oui. dis-moi tout. Eh bien, oui, le 3 avril, une Fête à BD, promo, voilà, seulement 15,50 euros de mémoire qui sera disponible avec moi dessus. Et, euh, et donc, euh, bah c'est vrai que dès 2015-2016, j'ai été contacté pas mal par des maisons d'édition pour du bouquin. Euh, et c'est euh, énormément de boulot de faire un bouquin, surtout que moi j'avais pas envie de réadapter les contenus que je faisais en vidéo parce que j'avais pas envie que les gens se fassent avoir. C'est vrai que quand t'achètes un bouquin, que tu suis la chaîne, t'as pas envie de retrouver le même contenu dedans. Voilà. Et, euh, et, et du coup, ça a été euh, beaucoup, beaucoup de boulot. Euh, six mois de taf hyper intensif où euh, j'ai dû laisser la chaîne un peu de côté, c'était un peu compliqué, j'ai dû euh, embaucher des potes pour m'aider sur, sur la chaîne, euh, autant en termes d'écriture que de, que, de, que de montage, parce que euh, je ne pouvais pas faire les deux à la fois. Donc ça a été très compliqué, ce qui depuis m'a un peu euh, empêché de réécrire un, un, un autre bouquin, parce que euh, bah, ça demande de, de me bloquer six mois, et actuellement je ne peux pas, parce qu'il y a des équipes aussi hein, à faire travailler à, à côté, et puis que la vidéo, ça reste mon, mon ouais. canal préféré d'expression. Euh, et, euh, et donc j'avais laissé de côté les diverses propositions de, de, de livres qu'on m'a qu fait jusqu'à présent. Et on a commencé à m'approcher pour la BD, et euh, notamment les éditions Delcourt. Et là, tout de suite, ça je me suis dit, ah, la BD, ça peut être un, un canal hyper sympa. Je suis euh, peut-être prêt à, à me bloquer quelques mois pour, euh, pour tenter l'aventure. Et puis bon, il y a eu les mêmes problématiques, c'est-à-dire que j'ai été contacté par trois collections chez, chez Delcourt. Il y avait la collection de Davy Mourier pour ceux qui connaissent, qui euh, fait déjà beaucoup beaucoup de BD, qui était super sympathique. Mais pareil, là, c'était un contenu 100% original. C'était compliqué à faire. Octopus euh, aussi, qui est une autre collection de chez Delcourt, qui est une, une collection de vulgarisation dans laquelle a publié Léo Grasset d'OrtiBiology pour ceux qui suivent euh, YouTube, euh, qui est vraiment une super collection. Mais là, c'est pareil, c'est euh, 150 pages, faut se bloquer 6 mois à temps plein. Enfin, c'était pas possible. En, en termes logistiques et il euh, y a eu Soleil Delcourt qui est venu me voir et là ils m'ont proposé ils m'ont dit mais euh, du coup euh, on t'a déjà proposé d'adapter le contenu vidéo et là pour le coup ma position a, a un petit peu changé parce que par rapport au livre il y a une vraie plus-value <laughs> c'est à dire que euh, quand on lit une BD c'est pas du tout la même chose que quand on regarde une vidéo même si le contenu est le même pour la simple et bonne raison que c'est très visuel, très graphique, qu'on peut rajouter pas mal de trucs, euh, des gags, etc. Euh, et puis que j'avais surtout vu des. Euh, <coughs> j'avais déjà lu des bouquins où le contenu était adapté de vidéo, j'avais été déçu. Et j'ai lu aussi des BD adaptées de vidéo, et là, j'ai pas été déçu. Par exemple, tout ce que fait Patrick Beau, Daxelot, je me dis, bah, il ouais, y a une vraie plus-value dans, dans, dans la BD. quoi. Il euh, y, y a les dessinateurs qui sont là, il y a des trucs qui sont rajoutés. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être la bonne solution qui va me permettre de, de, de créer un, un, finalement un, une nouvelle œuvre euh, qui sera aussi un nouveau canal de vulgarisation parce que qu'on ouais. est tous sensibles à différents canaux. Il y a des gens qui n'aiment pas la vidéo, hein, qui vont aimer le bouquin, d'autres qui ne vont pas aimer le bouquin, qui vont aimer la BD, d'autres qui vont euh, juste kiffer le podcast. Et donc je me suis dit, bah, voilà, ça va être l'occasion de créer euh, une œuvre qui sera accessible aussi à un nouveau public et qui plaira au public déjà existant de Nota Bene. Et donc, euh, bien, euh, je me suis dit, allons-y. Euh, on va adapter des contenus de Nota Bene euh, en BD, euh, et ça va être une BD donc euh, un peu dans l'esprit euh, BD franco-belge, très euh, coloré, avec euh, des gags. En gros, si vous kiffez Astérix, euh, vous allez kiffer euh, Nota Bene euh, clairement. Où le, le fond reste toujours très sérieux. Il hein, y a quand même euh, beaucoup de texte quand même dans, dans la BD, mais il y a une place euh, énorme qui est faite au dessin. Euh, et à l'action des personnages, à la mise en scène, à des petites blagues euh, voilà, euh, qu'on retrouve régulièrement dans les, dans les BD euh, franco-belges, avec beaucoup de références aussi. Et, euh, et ça, je le dois à, à, aux deux gars avec qui je travaille. Mmh. C'est-à-dire que dès le début, euh, moi, la, la BD, il y a un truc qui me faisait peur hein, c'est qu'il y a beaucoup de vidéastes qui se sont lancés sur la BD. Et euh, moi je lis un peu de BD, mais euh, pas, je ne suis pas non plus un, un, un gars qui, qui lit deux de, de BD par jour. Et, euh, et je voyais des gens qui étaient passionnés de BD, des vidéastes qui ont sorti leurs BD, et les retours critiques qui étaient dessus, c'était... Ouais. Bah, ne sont pas terribles les BD, quoi. Les BD de vidéastes, c'est dur. De, on ne citera euh, pas de nom. Hein, parce que, euh, non, euh, on ne citera euh, pas de nom, mais, évidemment, mais c'est compliqué. Et Patrick Beau est une exception totale. Voilà, parce que ouais. lui, bah, par exemple, ses BD ont été totalement salués, c'est génial ce qu'il a fait, parce qu'il a su s'associer avec des gens qui savent travailler la BD. Ouais. Et moi, euh, ça a été ma réflexion dès le départ, je me suis dit, oulala, la BD, ça va être génial, mais je ne sais pas écrire de BD, euh, donc je ne vais pas me lancer tout seul là-dedans. Donc j'ai demandé à Soleil Delcourt de me proposer un co-scénariste qui, euh, lui, pourra travailler avec moi pour adapter euh, ses contenus et euh, écrire la BD, la mettre en scène. Donc euh, voilà, j'ai travaillé avec euh, Mathieu Mariol, qui est euh, un gars absolument euh, génial, et qui a un profil, moi, qui m'intéressait aussi beaucoup, parce que, euh, comme moi, c'était un profil hyper polyvalent. Euh, moi, je suis très curieux, je fais de tout, je touche à tout. Euh, là, écriture, euh, montage, réalisation, euh, plein de trucs. Euh, voilà, j'aime bien, bien toucher à tout. Et lui, euh, je voyais sur son CV, c'est un gars qui a fait euh, la BD du PSG en tant que scénariste. Puis à côté de ça, il a travaillé sur Torgal. Donc, il y a quand même un écart <laughs> qui fait que je me dis, bon, le type sait s'adapter déjà. Euh, et, euh, et, et voilà, c'est intéressant. C'est un gars qui a une vraie réflexion aussi sur la manière de porter son discours en BD. Euh, et euh, dès qu'il m'a été euh, proposé, on a échangé un petit peu. Je dis, bon, bah, Banco, euh, mm. on y va. quoi Ça a été le premier qui m'a été proposé. Et franchement, j'ai dit, on y va. Et parti, le courant hein. est très bien passé. Et je suis très content de, de cette euh, mise en scène <coughs> dans, dans la BD. Et puis, il euh, y a un, un troisième larron qui s'est greffé euh, assez rapidement, qui est Christian Paty, qui lui est l'illustrateur. D'accord. Et donc, on se retrouve vraiment avec une, une écriture à, à trois, hein, avec finalement moi qui apporte euh, tout le fond euh, de, 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 de la BD, euh, plus des petites vannes qui vont pouvoir être euh, euh, réactualisées. Euh, Chris, euh, Christian, enfin euh, plutôt Mathieu, qui va faire la mise en scène, euh, mettre des personnages dans des situations parfois un peu rigolotes, apporter les, ses propres références euh, où on fait des références un peu méta à d'autres trucs de BD, par exemple mmh. Astérix, tu vois. Euh, et puis euh, Christian derrière qui va arriver, qui va rajouter des petites gags visuels. Donc il y a une écriture à trois. Et moi là-dedans, eh bien je, 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 je valide bien sûr toutes les étapes. Je discute avec le co-scénariste et avec le dessinateur. Ou euh, par exemple le dessinateur peut venir me voir et, euh, et je fais un peu le conseiller histo, quoi. Je me dis ouais, à cette époque-là, est-ce que euh, tu sais si c'est sur le château euh, à l'époque où, où, où on parle de Bertrand du clin euh, est-ce qu'il y avait eu un, un, un toit sur ce château-là à moi d'aller euh, appeler le château et d'essayer d'investiguer un peu pour savoir ou pas, alors parfois j'ai pas la réponse ouais. hein, mais c'est comme ça, ou euh, tout simplement de faire un peu de, de, de conseils aussi, c'est-à-dire que juste deux anecdotes et puis ensuite on finit avec la BD euh, là euh, on, on a déjà signé pour un, un tome 2, c'est pas, pas pour projet faire un one shot, on veut vraiment faire euh, une série qui va s'étaler dans le temps et euh, sur le tome 2 euh, on va aborder l'histoire de Rasputin euh, il a fait partie d'une secte des euh, d'éclistes qui euh, pensaient que par l'orgie on se rapprochait de Dieu et du coup il y a une petite case où on voit Rasputin à poil qui euh, court dans la forêt à travers plein de nanas et qui essaye de les choper comme ça euh, et, euh, et clairement je Regarde le truc, je trouve ça très drôle, mais je vois que toutes les femmes sont filiformes et top modèles. Bon, j'ai créé un message à Christian, je lui dis Tu penses pas que ça serait l'occasion de péter un peu quand même tous les clichés et se foutre des vraies femmes et pas genre des canons de beauté dans le truc Et me dit Bah ouais, carrément, je fais d'autant que Rasputin lui, il a du gras du bide quand il court. Donc, on a rajouté des vraies femmes tout simplement avec des formes aussi dans la BD, et ça, c'est cool. Voilà, ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Le deuxième exemple, je l'ai oublié. D'accord, Donc, c'est pas grave. À vrai jour. C'est pas grave. Euh, du coup, je vois que le temps passe euh, un petit peu trop vite. On va peut-être passer aux questions euh, du public, s'il y en a. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la je main. Je sens que vous avez plein de questions. Levez la main. N'hésitez pas. Oui, ah bah, du coup, j'amène le micro. Oh. En plus. On a des assistants, donc c'est parfait. En tout cas, voilà, BD, le 3 avril, euh, 10 histoires sur 10 personnages. On n'a pas fait plus parce qu'on ne voulait pas que la BD soit trop chère non plus et qu'elle reste assez accessible. Euh, 15 euros, c'est déjà assez cher. La BD, c'est relativement cher. Ouais. Donc euh, voilà, 10 histoires euh, autour de 10 personnages, des connus, des pas connus. Bref, vous découvrirez ça si vous avez envie. Le 3 avril. Bonjour. Ça marche, ça marche euh, oui, je voulais savoir par rapport à ta méthodologie de travail euh, quand tu écris une vidéo, quand tu fais une vidéo tout simplement, euh, tu passes par quelle étape, euh, tu écris en combien de temps, tu documentes comment, euh, comment tu procèdes bah, L'écriture c'est euh, très variable, il y a toujours une méthode hein, qui est quand même là, mais en fonction des projets ça peut changer un petit peu. Euh, typiquement quand je fais un épisode on va dire classique, nota bene, c'est-à-dire tout seul dans mon coin, hein, comme à la belle époque. Euh, J'aborde je, euh, je, des sujets qui, <laughs> en général, je connais un, un petit peu et parfois que je connais même pas du tout. Donc je vais déjà sur les encyclopédies généralistes euh, Pour aller défricher un peu le terrain Je suis un fervent défenseur de Wikipédia Parce que c'est hyper euh, bien fait en général Et puis que si on sait l'utiliser Il n'y a pas trop trop de problèmes hein. C'est à dire qu'il faut quand même faire attention euh, dans, les, dans les discussions Wikipédia par exemple Parce qu'à chaque page est associée une page de discussion euh, Quels sont les points de rupture entre les différents contributeurs Et quand on voit des gens qui s'engueulent Forcément on se dit tiens il faut que je fasse attention à ça, à ça, à ça etc Et puis je sais que Wikipédia ça peut être faillible Parce que moi même j'ai une page Wikipédia et qu'il y a des petits malins parfois euh, qui, euh, qui s'amusent à changer le truc du genre euh, Benjamin Brio, euh, historien spécialisé en Wikipédia. Euh, donc euh, voilà, ça, ça reste deux jours comme ça, bon, ça, ça, ça me fait rire. Euh, et et, euh, et euh, du coup, il peut y avoir des, des généralistes comme ça, ou comme des sites spécialisés comme herodot.net, où souvent, il y a plutôt des, des bons articles. Euh, ça, c'est vraiment la, la première phase, on va dire, où, où je, je dis, bon, ok, ça se passe euh, voilà, dans ce truc-là, il y a ça d'important, ça d'important. Et puis très très vite, euh, je vais euh, mettre ça de côté et partir sur... Euh, tous les moteurs de recherche de publications universitaires. Alors, ça peut être JSTOR, Academia, Open Edition, tous ces trucs-là, qui vont me permettre de trouver des articles. Très spécifiques sur euh, des thématiques en lien avec mon épisode et qui vont permettre d'orienter là euh, tout simplement le, 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 le discours. Là, euh, sur Henri IV euh, par exemple et l'assassinat de, de Ravaillac, j'ai euh, trouvé une, une dizaine d'articles qui étaient intéressants et en fait ça m'a totalement orienté dans la manière d'écrire euh, l'épisode. Puisque euh, je suis tombé notamment sur. Euh, donc il y avait un ou deux articles sur les, les différents complots, les différentes hypothèses euh, sur les, 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 les potentiels complots qu'on puisse dérouler autour euh, d'Henri de, de, IV et de Rabaillac. Donc là, j'avais des sources avec des historiens qui ont travaillé dessus du recul et qui disaient alors ouais euh, on peut dire que peut-être il euh, y a le duc d'Epernon qui traîne dans le truc parce que machin il a été duc d'Angoulême et puis il euh, y en a d'autres qui vont dire ouais euh, on n'est on est pas bien sûr on pense qu'en fait c'était juste un fanatique tout seul et puis il y en a un autre qui euh, a développé une nouvelle thèse il y a cinq ans en disant ben bah, peut-être qu'en fait Ravaillac c'était juste un illuminé et puis qu'il y avait vraiment un complot mais que le complot a été pris de court parce que Ravaillac a buté Henri IV avant voilà enfin il y a il y a toute cette réflexion là donc je me nourris de ces sources là et, euh, et j'étais tombé sur deux articles euh, auxquels j'avais pas du tout envisager ça quand j'ai commencé à penser à l'épisode sur, sur l'assassinat d'Henri IV c'était euh, la production iconographique dans les siècles qui ont suivi justement et l'utilisation politique de cette iconographie et, euh, et là donc je me suis tapé des, des gros pavés et, euh, et c'était hyper intéressant parce que je me suis rendu compte effectivement qu'il euh, y avait un un, un, un impact certain de cet événement dans la production iconographique, dans sa réception vis-à-vis -vis du public, dans son utilisation politique jusqu'au 19e siècle, enfin trois siècles après et, et encore après. Donc, c'est comment ça a été utilisé aussi par l'historien Jules Michelet, qui est un des fondateurs du roman national. Euh, donc, tout ça, j'ai pu le caler à l'intérieur de ma vidéo et. Euh, et je travaille principalement sur des, des ressources, des publications universitaires qui sont disponibles en ligne. Il y a énormément de choses qui sont disponibles. Après, il y a aussi tous les bouquins hein, que je peux avoir. Et de plus en plus, les éditeurs ont bien compris leur intérêt. Euh, bah les, les éditeurs m'envoient des bouquins. Parce que pour eux, c'est toujours. Ils ont toujours une petite chance que le bouquin me plaise euh, et que euh, bah, je peux faire ne serait-ce qu'une photo et la foutre sur Twitter. ils sont contents. Hein, voilà, ça leur fait de la pub en plus et ça leur coûte pas grand-chose d'imprimer un livre en plus, enfin hein, d'envoyer un livre en plus. Donc, euh, je reçois pas mal de livres, dont la plupart, euh, je ne communique jamais dessus, parce que de euh, toute façon, j'ai même pas le temps de tout lire. Euh, mais il y, y a ça. Et puis, quand je travaille avec des euh, départements, des musées. Là, il y a une, une autre méthode, puisque de base, je leur dis fournissez-moi de la doc euh, pour que je puisse travailler. Euh, ou euh, est-ce que vous avez des, des, des gens avec qui je vais pouvoir discuter, euh, des, des pré-entretiens à faire finalement, où je vais pouvoir poser des questions et puis avoir des échanges plus ou moins longs avec euh, différentes, euh, différents spécialistes pour préparer le, le terrain. Alors euh, par exemple, là j'ai signé une saison 2 dans le Loir-et-Cher, euh, où il va y avoir trois épisodes sur trois lieux différents. Euh, il y en a un notamment sur la commanderie euh, d'Arville. Qui est une commanderie templière, une des mieux conservées de France. bah euh, Là, euh, on, je ne sais plus quel jour on était, ouais, c'était jeudi. jeudi. Je suis allé à la commanderie d'Arville, j'ai pris ma voiture, je fais deux heures de route, je suis allé là-bas et j'ai passé euh, donc une heure et demie, deux heures avec euh, un des guides sur place qui m'a fait visiter le truc, qui m'a expliqué un petit peu comment ils mettaient tout en place et puis quelles étaient aussi les subtilités du lieu. Euh, en l'occurrence, que là, il me disait bon, on n'a pas de thunes euh, parce qu'on est un tout petit euh, site, donc on n'a pas pu faire de fouilles archéo. Il est sûr qu'il y a plein de trucs qui sont en dessous, mais on n'a pas pu les retrouver. Euh, et donc, il y a c'est important parce que moi, ça va me permettre de faire, par exemple, dans l'épisode, un peu de sensibilisation justement sur le fait que les petits lieux de patrimoine n'ont souvent pas de sous pour réaliser ces fouilles qui seraient hyper intéressantes de, de réaliser. Et donc lui m'a apporté... Tout un tas de, 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 de petites anecdotes, de trucs qui lui en tant que guide ressort. Et, euh, et je sais que c'est un gars qui, qui a un background qui est solide. Donc je peux m'appuyer sur, sur ce qu'il me dit quand même et le vérifier dans tous les cas quand je rentre chez moi. Mais là, je suis rentré. Mon script doit faire. C'est des petits épisodes. Donc il va devoir faire trois pages, trois pages et demie. Je suis rentré. J'avais déjà trois pages de notes. Donc ça, c'était plutôt cool. Et puis il m'a filé deux ou trois bouquins en plus. C'était génial. Euh, autre exemple, en 2019, je commence à partir de septembre jusqu'en juin 2020, une série avec l'ordre de la Libération, qui est un ordre qui a été. Fondé par Charles de Gaulle euh, pour récompenser on va dire, les combattants de la première heure euh, de la France libre. Et euh, il se trouve donc que j'ai une dizaine d'épisodes à faire. C'est un musée euh, donc, euh, qui, est, qui est tenu par, par l'armée hein, à côté des Invalides. J'ai été les voir, j'ai même eu rencontré le, le général avec qui j'ai discuté pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. C'était sympa. Et euh, pour le coup, j'aurais dit pareil fournissez-moi de, de la doc parce que vous, vous avez des, bah, des, des ressources à disposition que vous pouvez me, me fournir. Et, euh, et j'ai tourné la semaine dernière mon tout premier unboxing pour ma chaîne Bonus, ouais, qui est une chaîne où je fous un peu des trucs comme ça, où euh, ils m'ont envoyé deux cartons de bouquins. Et donc, euh, voilà, je, je fais le unboxing où j'ouvre mes cartons. Et je vais alors, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui Et euh, là, j'ai. Euh, une douzaine de bouquins qui m'ont envoyé sur différentes thématiques qui vont me permettre de travailler tout au long de l'année. Est-ce qu'il y a une autre question Oui. Non, parce que moi j'ai deux questions. Je voulais savoir pourquoi la vidéo est votre moyen d'expression privilégié Ça, c'est ma première question. Et la seconde question, c'est au niveau des plateformes de financement pourquoi celles que vous avez citées, vous avez choisi ces plateformes-là alors, tout d'abord, première question sur la vidéo, tout simplement parce que je suis issu de ça. Hein, et euh, moi, le, 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 le fait est que bah, ça fait maintenant plus de dix ans que je travaille dans le milieu de audiovisuel. Euh, Comme je disais, c'est ma passion depuis que je suis gamin. Enfin, le cinéma, pas l'audiovisuel, mais que j'ai découvert par la suite. Euh, et, et, et que j'aime ça, euh, j'aime ce moyen d'expression. J'aime aussi l'écriture, je, je suis beaucoup moins à l'aise dedans. C'est-à-dire que quand j'ai sorti mon premier bouquin... J'avais reçu cette proposition de faire le bouquin. Je me suis dit, c'est une opportunité. Il euh, y a beaucoup de gens qui rêvent de pouvoir sortir un bouquin, mais on me propose de le faire. Je ne peux pas refuser. Euh, c'est un privilège. Donc, je me suis dit, je, je me lance et puis on verra bien. Mais jusqu'au dernier moment, je ne savais pas si j'étais capable d'écrire. Euh, je sais écrire une chronique. Écrire un bouquin, c'est une autre paire de manches. Donc, quand j'ai lancé le truc, je me suis dit, bon. Voilà, je l'ai fait, euh, ça se trouve, je vais me prendre euh, 20 articles de journaux disant mais c'est escroc, machin, ou c'est nul, il sait pas écrire, voilà, euh, j'avais cette angoisse-là. Euh, la vidéo, ça va, je, je sais faire, je suis quand même plus à l'aise, et puis c'est quelque chose qui m'intéresse qui beaucoup, et puis le livre, c'est un, un canal très solitaire quand on écrit. La vidéo, euh, il faut du collaboratif, et moi, je, je mets souvent en avant les équipes qui travaillent sur les projets, parce que pour moi, travailler en équipe, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant, hein, finalement, donc c'est pour ça que je préfère la vidéo, et puis la vidéo... Aujourd'hui sur Internet, c'est euh, enfin, prend une place quand même énorme et donc je pense que c'est un bon canal pour diffuser très largement un discours. <laughs> D'autant que mes épisodes, je les conçois. Alors, il y a des exceptions, mais euh, souvent c'est des épisodes qui peuvent être écoutés à l'audio. C'est pour ça que j'ai aussi, euh, je, je fais très attention sur ma, ma diction, notamment sur euh, l'articulation. Euh, et, et donc il y a beaucoup de gens qui écoutent les épisodes plus qu'ils ne les regardent en faisant la cuisine ou voilà, comme, comme à la radio finalement. Donc ça c'est important aussi pour, pour moi. Ensuite, euh, la deuxième question, c'était pourquoi j'ai cité ces plateformes de, euh, là. C'est tout simplement parce que c'est les plateformes qui existent. Il euh, y a une alternative qui est Patreon, hein, qui existe aux états unis qui n'est pas très, très développée en France. Les premiers vraiment à s'être lancés sur le marché c'était Tipeee. Euh, J'étais un des premiers vidéastes à, à rejoindre le, le, le truc et c'était cool parce que c'est ce qui m'a vraiment permis de me lancer de façon professionnelle. Euh, maintenant, y il y a Utip qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps et qui propose euh, d'autres services qui, qui est vraiment bien et puis qui est surtout un peu plus clair euh, d'un point de vue euh, financier parce que tout ça aussi, il euh, ne faut pas oublier qu'on est dans des métiers qui sont relativement nouveaux. Ça fait, bientôt, ça fait quatre ans et demi que je suis sur la plateforme, mais ça reste un métier nouveau. Euh, Vis-à-vis -vis de l'administration, enfin euh, les premières fois que je suis allé même voir mes banquiers en leur disant, ils m'ont dit c'est quoi votre métier <laughs> euh, Alors comment vous expliquer ça C'est toujours une crise de rire, hein, c'est un peu compliqué. Euh, et vis-à-vis -vis de l'administration euh, française, c'est très très compliqué aussi. Et donc euh, tous les enjeux générés par le crowdfunding, c'est très compliqué aussi. Les trucs de TVA, est-ce qu'on la paye On la paye pas Les trucs les est-ce que c'est considéré comme du don ou pas Bref, euh, c'est pour ça que moi j'ai déporté ma, mon activité sur une société. Comme ça, j'ai des collègues qui se chargent de toute la, la paperasserie que je ne veux pas voir, parce que moi, je veux juste continuer à travailler et je n'ai pas envie de me plonger dans la fiscalité française, qui est assez compliquée comme ça. Donc euh, euh, voilà, j'utilise ces plateformes parce que finalement, euh, elles existent déjà et qu'elles sont adaptées et qu'il y a un public qui se développe. Et finalement, euh, c'est exactement pareil sur la vidéo. C'est à dire que souvent on dit oui, les youtubeurs, euh, oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont que sur YouTube, mais euh, moi j'aime pas trop ce mot là, c'est pour ça que j'emploie souvent le mot vidéaste. Euh, moi je suis sur plusieurs plateformes en fait, hein. je suis sur YouTube, je suis aussi sur Dailymotion. Alors, euh, Dailymotion c'est complètement mort, mais il y a plein d'organes de presse qui ont des partenariats exclusifs avec Dailymotion et ils ne peuvent partager que Dailymotion. Donc, je suis dessus parce que moi ça me permet potentiellement d'être euh, partagé à l'époque. Il y a eu Yahoo News qui, qui, est, qui est sorti, et Yahoo, Yahoo News c'était vraiment nul, hein, personne ne regardait, mais j'étais dessus aussi parce que tu avais une chance c'était un peu le tirage au sort tous les jours de te retrouver en homepage de Yahoo donc bon là c'était cool parce que bah, ton, euh, ton, ton discours pouvait passer auprès de millions de personnes d'un seul coup euh, chaque euh, plateforme a son intérêt et d'ailleurs pour, pour l'anecdote euh, j'ai rejoint euh, il y a quelques jours mon camarade euh, Léo de Dirty Biology j'ai décidé voilà de me créer un compte sur voilà, qui est le, euh, la plateforme numéro 1 de diffusion de contenu pornographique au monde euh, pour mettre mes épisodes relatifs au sexe? Euh, puisque euh, les épisodes relatifs au sexe, dès qu'on. Même une iconographie du 15 e où on montre un nichon, boum, c'est censuré quoi. Hein, c'est YouTube, c'est. Euh, voilà, euh, on rigole pas avec la nudité, et les trucs à machin. Je trouve ça un peu dommage. Et donc on est plusieurs vidéastes culture à avoir euh, mis des, des vidéos. Euh, en lien avec le sexe, pour le coup, moi dans l'histoire, Léo, c'était avec la biologie, sur ces plateformes-là. Ce qui est assez rigolo parce qu'on voit qu'il y a aussi un public. Hein, euh, a, ça fait des vues, quand même. Et il y a des gens qui réagissent. Donc euh, voilà, c'est assez, euh, assez rigolo. Et puis, bah, moi. Typiquement, j'en avais profité pour mettre un épisode de ma femme aussi, Les Top Calidoscope, Kalidoscope, euh, qui avait sa propre chaîne de, de culture, qui à un moment donné a dérivé un peu vers l'ethnologie et qui avait fait un, un, un épisode sur l'avortement dans le monde et la situation de l'avortement dans le monde. Et le, le, le fait est que bah, dans le monde, il y a encore beaucoup de, gens qui, beaucoup de femmes qui n'ont pas accès euh, à, à l'IVG. Donc elle avait fait cette vidéo-là qui a été instantanément euh, démonétisée et tout ce que vous voulez par YouTube. Et j'ai plein de copines qui, font, qui sont sensibles à ces thématiques-là qui, euh, pareil, se font démonétiser euh, euh, sur ces, ces, ces questions-là. Et donc, bah, on a mis aussi son, son épisode euh, avortement sur pornob, voilà, euh, bon il se trouve que malheureusement ce n'est pas passé non plus donc c'était la fausse bonne idée, mais on a tenté le coup, euh, voilà, il y a toujours pour l'instant deux vidéos de sexe qui sont disponibles sur Pornhub c'était pour la petite anecdote, chaque plateforme chaque canal a son utilité et je pense que ça serait euh, vraiment absurde de se limiter à un canal ou de ne pas y aller parce que ce n'est pas politiquement correct, hein. euh, parce qu'il faut vraiment aller là où euh, on veut aller et, et typiquement euh, si on laisse certains canaux d'expression euh, qu'aux gens qui osent y aller c'est-à-dire parfois à des gens euh, un peu extrêmes aussi, euh, qui vont pouvoir propager leurs idées sur des médias un peu alternatifs. Il euh, y a plein de gens qui vont aller là-bas et qui vont n'avoir que ce son de cloche finalement. Si nous on n'y va pas, on, on laisse un terrain libre à la propagation d'idées un petit peu, un petit peu foireuses. Donc il faut être un peu sur tous les fronts. Voilà. Alors je, je vais devoir laisser euh, malheureusement l'antenne entre guillemets euh, parce qu'en fait on est à court de temps. Euh, par contre, euh, si tu es d'accord, bien sûr, les gens pourront te poser des questions après. Oui, bien enfin, sûr. dans le micro, évidemment. Là, je suis juste obligé de rendre l'antenne. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie du fond du cœur d'être venu, euh, d'avoir été très, très sage. Et, <laughs> et voilà. Donc, euh, merci à vous d'être venu et merci à toi, euh, Benjamin. Merci, Aurélien, pour l'invitation.